Et salut à tous, c'est Trophy0083 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Let's Play with Mods saison 3. Donc, j'ai déjà commencé à faire la base. Là, j'ai commencé la façade de la maison et l'intérieur. Donc, ouais, voilà. Et déjà, je me suis déjà fait la Wyvern Arm. L'armure de des Wyverns. De Draconic Evolution, je l'avais déjà fait en vidéo la saison 1, je crois. Donc, vous pouvez sans gros soucis aller voir ça. Donc, voilà. Je me suis fait également des outils. J'ai dû faire quelques withers, mais bon. Je me suis également fait des plantes à withers. Et également, je peux voler. Grâce à... Alors, j'ai quelques nouveaux modes. Maintenant, là, j'ai quelques nouveaux modes. Comme par exemple, Barbalicious. Qui me donne ce Ring of Light. Ça demande également une star, c'est pas très cher en fait. Voilà. Et voilà. C'est pas ultra cher. Ouais. Quelques nouveaux modes. Donc ouais. Voilà. Voilà, c'est là où j'avais mes plantes. J'ai un torcherie. Oui, je. Je sais plus si je vous avais dit que j'avais rajouté torcherino. Mais ouais, c'est. J'ai le torcherino. Donc ouais. Voilà. Pas mal les Nether Star. Voilà. Je vais partir l'obsidienne ici, tiens. Attendez. Je lag un peu, là je suis à 11 FPS. Tout simplement, ce modpack fait laguer énormément. Vous voyez. Ah oui. Alors. Enfin, descendra, ouais, c'est déjà mieux, ouais. Donc, voilà, j'ai agrandi une couche le réacteur. Est-ce que je vous avais montré le réacteur? Je crois que oui, pas sûr. Non, je vous l'avais pas montré le réacteur, je crois pas. Donc, je l'ai monté à 22 couches et j'ai dû rajouter des Uranium Fuel Rods au milieu. Et ça nous produit 1131 RF par tick. C'est pas mal, voilà, on consomme quasiment rien. Ouais, ça va faire quelques heures que je suis là, ça a consommé de kilorite. Là, j'ai de la cobble ici. J'alimente ma smelterie avec de la lave ici, quoi. Voilà, la smelterie. Une grande smelterie, parce qu'on peut faire une 5x5. Hein. On a fait 10, 5x5, je crois qu'on fait également 7x7, 1x1, voilà. Et j'ai plus mes coffres ici, tiens. J'ai plus mes coffres. Voilà, j'ai plus les machines également. J'ai juste le réacteur. J'ai plus le traitement, je sais plus si je vais me faire, mais j'avais pris du traitement. Il me reste ici. Oui, de double niveau. Voilà. Il y a un gros bâtiment là. Voilà. Ici j'avais un PME pendant un moment, j'ai bougé. En fait, oui, donc j'ai bougé le reste également. Et tout est bougé en fait. D'ailleurs, également ici j'avais un portail vers une autre dimension. Regardez. Voilà. En fait, voici une nouvelle salle. J'ai fait une. Elle est assez grande cette salle là, donc c'est un design que j'avais retrouvé sur une vidéo de YouTube. Oula, freeze. Ouais, bon, ça peut faire des gros freeze parfois. Voilà, je peux pas faire des lips, donc je couperai sûrement. Voilà. On verra. Donc voilà, ça a repris. Donc cette salle, c'est un youtubeur américain qui l'a. Bah c'est sur une des vidéos d'un youtubeur américain que j'ai trouvé, donc Hypnotesda, qui est un youtubeur américain, pas très 200 000 abonnés, pas très connu, mais il est connu quoi quand même. Et il s'était fait ce genre de base, bah, des salles comme ça, donc j'ai décidé de la reproduire parce que je l'ai bien aimé, voilà à peu près. Et donc voilà, ça a demandé quand même pas mal de temps, mais ça a été fait. Mais je suis utilisé au second. Heureux tout le monde, désolé. Voilà. Donc, voici la salle. Bon, il y a quelques petits changements du genre. Les M Drive, c'était dans ces trucs-là. Là-dedans, je les ai mis là, moi. Il n'y avait pas de ça. Voilà. Voilà, quoi. Oh, Bubbles également, il marche. Tiens, je savais pas ça. Bubbles est compatible. C'est pas mal, hein. Donc, voilà. Un petit système de traitement des minerais. Qui est semé à la fortune. Donc voilà, je me
ça produit beaucoup trop de charbon. Donc j'ai 4,5 millions de stone. Bien. Bon. Bon, ouais. On entend assez bien quoi. Des machines. Oui, alors j'ai AE2 stuff. Donc il rajoute des machines améliorées dans AE2 en fait. Par exemple, le Christ. Ça c'est plus pour pas me saouler à faire des précisions calculateurs du genre. Oh, je sais plus. Ouais. Bon, ouais. Voilà quoi. J'ai mis des interminables pour le moment. On a un seul. Voilà, si j'arrive à bouger. Donc les machines sont là. On a un terminal ici au milieu. On a un Dragon Chest ici. Ici, donc je peux faire des trucs rapido, crafter. Donc voilà. À peu près. Ouais, ça fait son petit truc. Désolé, j'ai ok. Donc oui, j'ai rajouté Dimension Aroma. Aroma 1997. Voilà, donc je l'ai installé. Voilà, donc ça c'est le portail. On a les machines, voilà. Mon système rapide de traitement des minerais. C'est un peu un bordel ici, mais voilà quoi. Oh, là j'ai mon magnet en fait activé. Donc ouais. Voilà. Donc, 2911. Alors, si je vais voir dans les... Ouais, je vais pas ça. Oh là là. Qu'est-ce qu'on a fini de traiter? Apatite et redstone. Voilà, ça en a quelques-uns à faire. Voilà, ça a quelques trucs à faire. Donc, ouais. Après, ça tourne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire cet épisode? Bah déjà, on va commencer par faire du wireless. Parce que j'ai tout crafté pour faire du wireless. Bah, voilà, j'ai crafté les deux trucs, il m'a chargé, mais... Désolé. Il me manque le Security Terminal. Alors, déjà, il va nous falloir tout crafter. Donc, il va nous falloir 3... Je compte les calculations, en fait. Alors, il va nous falloir combien de processeurs? 1, 2, 3, 4... Il faut 13, 14, 15, 16, 17 processeurs. Alors, là, je crois qu'il y en a en diamant. Et alors, voilà. Voilà, donc. Bien, ici, il m'en faut 1, 2, 3. Il m'en faut que 3. Voilà. Si jamais je crois que j'ai les. Ouais, j'ai les presses dans ce coffre là. Désolé. Parfait. Donc. Voilà, bon. Une ellipse, tant que je crafte tout ça. Allez, à plus tard. Donc, retour le monde. Je viens à l'instant même de finir de crafter un bon paquet de processeurs. Voilà. Je vais peut-être mettre les presses. Je crois que c'est pareil, c'est ça qui est pas mal. Voilà. Donc, let me chest. L...
UX. Il faut deux. Pulvériser, même. Ouais, bon. Ok. Bon, ça marche très bien. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Simplement, on met deux formations corps et deux annihilations corps. Voilà, donc, pour faire ce terminal. Allez, mon terminal. Donc, voilà. Normalement, j'ai de quoi crafter ça. Manque du fer. Ça va être un sac de verre à cuire. Non, ce sera sûrement fait plus rapide, hein, ce four là. 10 salles. Oh, ça duplique. C'est bien ça. Ça duplique le verre. En fait, ça considère le verre comme une ressource. Ami chest. Donc voilà, donc on a ça, on a ça. Il faut faire ça donc. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parfait. Mince. Voilà, on prend ces 4. Donc voilà, parfait. 16 et normalement manque un câble, c'est un peu merde. Ouais. ME sécurité terminal. Donc alors, si jamais, pour préciser, j'ai disable les channels, les réseaux, quelque sorte, vous voyez. J'ai disable le réseau parce que c'était un peu énervant de faire des systèmes qui faisaient laguer. Donc ça fait moins laguer comme ça, en fait. C'est pour ça que je l'ai fait, tout simplement. Donc, on va se mettre tout ça. Ouf. Ça l'étendra après. Voilà. Le wireless. On va... oui, bon, c'est vrai que je t'avais un tout petit peu augmenté le réseau. À mon avis, voilà, ça marchera pas, donc c'est normal. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Faut connecter donc ce sécurité terminal. On va le mettre ici, c'est bien, voilà. On va mettre ça, et maintenant il met linked. À mon avis, vous voyez pas, mais il y a à peu près vers le milieu de la description du wireless terminal. Vous voyez, linked. Et ça veut dire qu'il est connecté à ce réseau-là en particulier. Donc voilà. Et maintenant, voilà, j'ai accès à mon réseau. Alors, si jamais ça se... voilà, le slash def slash nul, pas très cher, c'est bizarre, mais c'est utile également. Voilà pourquoi je l'utilise. Et donc voilà, et normalement... j'ai, je crois, un réagent de 16 000 blocs. Ouais, j'aime personnellement ces 16 blocs, hein. Là, je l'avais un petit peu augmenté dans les configs. Donc, ouais. Bah, voilà. Déjà ça de fait, ça va faire un épisode de freine et un quart d'heure pour le moment. Bon, qu'est-ce qu'on peut bien faire d'autre? Ça fait tranquillou, ça. Donc, bon. Ah, je sais ce qu'on va faire. Donc, on va commencer à faire de l'autocrafting. Parce que je pense que c'est ok de... ouais, ça va être pas mal. Donc, on va mettre le système d'autocrafting ici. Alors, oui, si jamais le câble passe ici. Ça en prend pas tellement dans de côté. Et on voit... c'est joli, ouais. Ça, pour l'instant, c'est encore des basiques. Donc, on va se faire l'autocrafting. Donc, pour l'autocrafting, déjà... on va se faire des 4K. Voilà, ça lag parfait. Alors, on va s'en faire un pour le moment. 3.
Je pensais bien ça. Alors, désolé pour des débris chez moi, mais comme d'habitude, je ne suis pas le seul dans la pièce. Ici, voilà, on a la pièce de squat. On va aller le passer dans l'inscribe. Vraiment, j'ai du silicone, donc je sais jamais c'est quelle presse en fait. Et voilà. On va juste demander le silicone. D'ailleurs, habituellement, fallait que je me gale, c'était une galère. Silicone. Bon, voilà, ici. Hop, hop, hop. Bon. Donc, voilà. 4K. Un seul objet c'est crafté, c'est ça. Alors pour le crafting unit. Ok, bon, j'ai ça. Silicone encore deux. Là, le deux redstone. Bon. Je pense que c'est ça là, je suis pas sûr. On verra bien. Gagné. Je sens que je vais quand même faire un atome. Je vais l'automatiser plus tard, ça. C'est bien chiant. Et j'ai les capacités pour l'automatiser. Je sais comment faire, quoi. Il y a les capacités, c'est-à-dire que bon. Crafting unit. On va se reprendre le 4K. Next gen crafting. Voilà. Je demande d'ailleurs c'est quel mode qui fait les artifices. Si vous le savez, on oublie. Je peux toujours le dire. Donc, on va. Ouais. On pourrait faire un gros CPU au milieu. Ou deux CPU sur le côté. Ouais, on a la place. Donc, on va faire ça là pour le moment. Voilà. Donc, alors. Interface, voilà, j'en ai besoin de 1, 2, 3, 4. Bon, je vais faire un pas mal de. Donc on va se faire des nouveaux inscribers. On pourrait faire le advanced. Ouais. Alors, il en faut 4. Allez, il en faut 5. J'en ai déjà 4. Snipe, parfait, c'est la moitié exactement qu'il me faut. Je me serais bien utilisé du rubber. Donc, 1, 2, 3, 4. Parfait. 4 nouveaux inscribers. Donc voilà. Alors, on va se les mettre. Ouf. J'ai une idée. On va également se piquer. On est pas fixé, on peut faire la main. Je pense détruire à la main. C'est pas mal. C'est un truc à la main, quoi. Voilà. Bon, l'autre truc automatique seront par ici. Ouais, on va mettre le système ici plus tard. Voilà, alors on va aligner également ça sur le système ici. Donc, on va se mettre ça là, voilà. Voilà. Donc au final, on fera tout là-dedans. Donc, ouais, pas mal. Alors, il faut faire des interfaces. Voilà. Moi je vous propose déjà, on va automatiser le crash des CPU. Donc, import. Yep.
bon moyen à utiliser ça. Ça sera pas ultra rapide, ça sera bien mieux que rien. Pour l'instant, on va faire les nombre de 4, je crois. Voilà. C'est vrai que ça peut être vraiment galère les CPU, donc bon. J'aurais pas d'interface. Non mais j'ai déjà tout ça, ouais. Pas mal ça. Voilà, il m'en faut 2 de nodes. Parce que son... Je sais qu'il y a les gars pas peur. Voilà. Hop, allez hop. On craft ça comme ça. Pas très très cher. Voilà. Voilà. Et bien, un porte-bus. Mettre ça déjà. Et voilà. Déjà ça. Alors, maintenant. Si... Ici, je mets ça. Bah, mais c'est forcément, c'est même pas connecté au réseau. Amikaibon, faut les faire. Faut du flux. On va faire 2 stacks de flux. Ça en aura largement assez pendant un petit bout de temps. Je vole pas beaucoup, mais bon, rien tout. On n'est pas tellement de l'utilité. Fais-moi un stack. 2 stacks plutôt. Ouais. Ah, je suis pas passé. Voilà. De la fibre. C'est la fibre qui m'a manqué, mais voilà. Donc ça sera connecté tout ça, et pour pas qu'on voit ça, tout simplement on va le mettre sous ce bloc là. Alors, si jamais, comment est-ce que je fais pour accéder facilement? Voilà. Donc, voilà. Wow. Donc, on va juste aller en dessous. Alors, j'ai un accès pour aller dans les trucs inférieurs. Bon. Là, c'est ici, le système. Et voilà. On serait bientôt le enhanced charm of this location. Bientôt il y en a eu, je serais vraiment des élévateurs pour cet endroit. Ah bah regardez. Caniche. Alors, il m'en faut 2 par interface. Voilà. Également pattern, ben ça, ouais, bon, ça va être vraiment une galère à tout faire. Donc ça, c'est juste ça, agrandir les cristaux. Donc oui, bon, ellipse tant que je crafte un peu tout ce qu'il faut crafter, et je reviens après. Donc re tout le monde, je viens à l'instant même de finir de crafter tout ça. S'il faut, oui. Voilà. Donc, il faut déjà crafter les patterns.
quoi faire. Alors, il reste pas l'interface. Oh. Voilà. Oh. Oui. Alors, on va commencer à faire les patterns. Alors, c'est assez simple à crafter. Hein. Hop, c'est ça quoi. Oui. Faut que je fasse rien à ça. Ouais, bien, je pense que je fais pas de quoi. Voilà. Et j'ai besoin de pattern. Bon, déjà faire un pattern pour ça. Et un pattern pour ça. Voilà, c'est déjà pas mal, hein. J'aime pas de terre. Attendez. Alors, ça. Flux, je vais en passer. Deux ferrets interface et un moléculaire. Ouais. Donc là, on a juste à préparer le système pour tout autocrafter. Fabriquer automatiquement si vous préférez. Donc formation, annulation, ah j'aurais jamais écrit le bon truc, exactement. Interface molec, bon mince, je vais faire un grand. Terminal moléculaire assembler, parfait. Ah, j'arrive à cliquer. Donc, il n'y a pas à le mettre là dès le début en fait. Je pensais ça. On va le mettre déjà derrière. On va le mettre là. Alors, hop. Après, ça va tirer des processeurs de 4 ici. Au final, et ce seront des 64 bits. 4 mégas. Alors, j'avais creusé une petite zone en dessous. Voilà, c'est bon. Donc, parfait. Voilà, on clique ici. Voilà, on fait remonter le câble. Bon, hein. Faut que j'ai ça pour le moment. C'est cela qu'on va utiliser. Voilà. Bon, ça c'est déjà pas mal. Voilà, alors. Ça maintenant c'est relié. C'est visible par ce clignotement. Donc, on peut déjà lancer des autocrafts un peu ici. Donc. J'ai deux patterns. On va commencer par les trucs de base. Alors, on va faire en sorte que deux sables seront égales à un silicone. Voilà, normalement c'est à peu près ça là. Normalement c'est à peu près ça. C'est une moyenne. Mais... on va mettre 3, on sait jamais. Peu de marge d'erreur, voilà, ça déjà c'est bon pour le silicone. Et maintenant on va faire en sorte que un silicone, voilà, bon, ça va pas être très intéressant, c'est juste ça de tous les autres crafts. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire si, voilà, à plus. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un j'aime. Si vous avez une idée pour cette série, n'oubliez pas de laisser un commentaire avec l'idée qui est dans le commentaire. Si vous voulez ne pas manquer la sortie des vidéos qui sont à peu près toutes les semaines, n'oubliez pas forcément de vous abonner. Vous devrez être prévenu d'abonnement. Et moi je vous dis à plus tout le monde. À plus.